deux personnes sont mortes ce matin dans deux accidents différents. Le premier est survenu sur la RN1 près du pont du Larivot, entre un cyclomoteur et une voiture. Un homme d'une cinquantaine d'années a perdu la vie. Le second a eu lieu à Dégradé-Cannes, à Rémire-Montjoly. Un motard a percuté une piétonne. La femme dont les jambes ont été sectionnées n'a pas survécu à ses blessures. Depuis le début de l'année, on compte 20 tués dans des accidents de la route. Et puis, un autre grave accident cet après-midi sur la route du Tigre, quartier Cabassou à Cayenne. Un blessé grave dans une collision entre un scooter et une voiture à une intersection. Le pilote du deux roues est en urgence absolue, victime de multiples traumatismes avec, selon les pompiers, une atteinte probable de la colonne vertébrale.